les amis, ici Kaiser von Kerstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 avec l'épisode 13 de notre campagne avec les hommes lézards de Krogan, les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. Donc, lors du précédent épisode, on avait continué à faire notre avancée dans les terres de Khemri. Donc, on doit affronter les morts-vivants de la confrérie des Nécrates. On avait réussi à s'emparer de la cité d'Antok et de Bagar, mais là, on commence à voir l'arrivée d'une nouvelle armée de morts-vivants. Donc, on est en train de se reformer là-bas, on a fait des pertes, mais on a essayé de tenir comme on peut. Donc voilà, pour le moment, donc on a perdu un Stégadon, on a un héros qui est sorti de l'armée, je crois. Ouais, et l'autre qui est blessé, donc pour le moment, on va essayer de faire attention. Mais voilà, on a réussi à remettre notre vaillant héros dans son armée. Et on est aussi assiégé, je crois, du côté de Zlatlan, ouais. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller secourir Zlatlan. Donc voilà l'armée en question qui attaque. Avec 5 gardes des cryptes, des horreurs des cryptes, des charrettes macabres avec bras zéro et tout foutoir. La cité est bien effondue, mais est-ce que ça suffira? Je ne suis pas sûr. Même si on a des unités anti-large. Alors lui, il a quoi? C'est des rois revenants standards, ils n'ont pas de monture. Enfin, si certains ont. Mais le reste, c'est du costaud. Donc pour le moment, on peut rien faire de plus. On va passer le tour. Et dans cet épisode, je vais, une fois que j'aurai fait ce que je... Et je pense que je vais essayer de faire une confédération avec l'Atlan, vu qu'ils sont bien affaiblis maintenant. Comme ça, je récupérerai deux de leur armée ou deux au passage. Ça sera du bénéfice. Ah. Le général de Starmé est blessé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour eux, mais en tout cas nous on occupe ailleurs. Ah, il a levé le siège pour venir m'attaquer, ok. On va se retirer. Ok, je vois. Ah, il veut nous provoquer. Bon. On a une grosse arrestée là longtemps. Bon bah, ça t'apprendra mon vieux. Ah, tu prends de l'attrition toi. Ah bah c'est cool. Je vais essayer de me planquer en embuscade pour cette armée. Alors, chance d'une embuscade, ici on sera à combien? 80%, on va le laisser là. Je pourrais rien recruter pour le moment. Bon, par contre, si les deux armées se rassemblent, là, ça va être plus compliqué que prévu, là. Ouais, je dis ça comme ça, mais bon. Je vais essayer tout de suite faire la confédération avec les Tlaklas. Bien, ça va leur demander tout le pognon possible, imaginable. Alors, 1300, tu veux toujours. 2300, tu veux. Non, 2300, tu veux pas. On va lui demander 1005, on va voir ce qu'il réagit, comment il va réagir. Excellent, on récupère tous ces territoires. J'espère une armée ou deux au passage. T'es sérieux, il a envoyé encore, il a encore des forces pour me piller. J'ai peut-être une idée, attendez. Peut-être une armée que j'ai pas vue. Ok, le camp d'Orion, il y avait cette armée. Je pourrais s'en servir comme base. Est-ce qu'on peut faire quelque chose au camp d'Orion? Ouais. Mais on peut pas faire de bâtiment militaire. Ah, ça c'est bête. Mmh. Donc pour le moment, on va rien faire ici. Oh, j'ai une armée là-bas, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Premier lien établi, puis je... Oh putain, je dois faire tout le tour. Bon, pas de panique, cette armée, on va la disperser. Elle me coûte trop cher. Putain, j'ai 4 héros là, mais bon. Ok, bon. Les héros, on va les garder pour le moment, ils peuvent avoir leur utilité. On va se faire... Je sais même pas si Crocard peut aller chercher les autres. Ah bah non, ils sont hors de portée, sinon c'est pas drôle. Allez. Bon, ce que je vais faire déjà, je vais ramener l'armée de Rocklon
Je suis plus proche de Quexaltle. Par contre, là, je suis plutôt content. Ça m'arrange qu'il soit sur cette cité. Comme ça, là, je vais sacrifier un peu cette cité-là pour être tranquille. Écoute. Si je marche en marche, je vais en marche forcée jusque. Je vais me mettre là. Comme ça, s'ils veulent venir emmerder mon armée, bah. Ils se tapent pour une là, mon armée et le général. Je pense que ce sera pas mal. Et là, on a gagné 3-4 cités, je crois. Ah, ils ont rien fait. Oh là là là, les gars, vous êtes sérieux? C'est quoi de cette ville, sérieux? Par contre, on a ça. Ça peut être pas mal. Ça, on va le garder. Ça aussi, ça on le garde à la limite. Ça on peut le virer. On va faire une caserne, hein. Ça c'est obligatoire. Je crois que c'est tout. Croc-Gar, bah, à tout le moment, ce qu'il nous faudrait c'est du monstre. Ça s'il n'y a pas le choix. Je peux avoir un Carnosaur. Ou un Bastiladon, non, je vais éviter. Par contre, ça je suis tenté, je vous avoue. Oh là là, Stégadon ancestral. Ah ouais, mais c'est 6 tours, c'est ça le problème, quoi. C'est un peu long, vous voyez. Là, sachant que j'ai 6 gardiens du temple, 2 lanciers, ouais. Le Stégadon de base, il me coûte combien de temps? Il me faut 4 tours, ouais. Bon, bah, on va oublier pour le moment. On va déjà essayer de tenir ici, même si on va avoir des petits problèmes. Construisons ce que l'on peut. Ok, parfait. Bon. On va bloquer 4 caméléons skink ici pour commencer cette armée. Ce sera un bon début. Et après, on fera 2 monteurs à sang-froid à lance. Cette armée là-bas va rester bon début. Ok, donc pour le moment, on va laisser la porte disponible. Plus d'ordre public, je pense, ça pourrait être pas mal ici. Encore de l'ordre public, c'est tout. Ah, là-bas aussi, d'accord. Ah, je savais pas pour ce secteur, donc. Maintenant, on le sait. Ce que je vais faire un monument aux anciens. Et on va encore booster la croissance au niveau maximum. Sinon, on va le déplacer. Bon. Il va rester là pour le moment. Mais il va nous recruter des troupes, donc, à savoir. Regarde, il sort. Ils veulent un peu mon agression avec Tyrion. C'est vrai que ça peut être tentant, donc on va le faire. Ils sont en guerre aussi avec la confrérie des Nécrarques. Ça c'est. Par contre, si on pouvait faire en sorte que les nains nous rejoignent, ça serait plutôt cool. Comme on pourrait avoir un front commun contre les vampires. Et là, l'armée que j'ai avec les qui vient de la tour d'or, ça sera de taille. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah oui, mais non, gars, t'exagères. Non, je peux pas booster. Ah, les nains qui sont doués. Un accord commercial, je veux bien. Avec, je vais mettre toute la sauce. Pas une alliance défensive. Alliance militaire, quand même. Tu es un camarade, je te signale. Ok, donc 2300, tu veux pas. Et 1300. Donc là, on va essayer de faire un max de pacte avec eux. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. J'ai peur pour la confrérie des Nécrarques, elle va tenter. Ah, fumier. Il nous attaque en. Bon, ben, on n'a pas le choix, on va essayer de la faire. Donc, ça me paraît compliqué. Avec. Leurs horreurs décrites et tout le bazar. Sachant que j'ai qu'une unité anti-large, bah c'est entre guillemets c'est mon gardien du temple béni, mais bon, je doute qu'il fasse le poids. Sinon j'ai un Stégano pour faire un maximum de dégâts. Donc le but ça va être vite de abattre le roi boule, sachant qu'ils ont un peu d'attrition. Donc on va essayer de jouer là-dessus. Donc on y va, on va se la faire. Et donc on se retrouve pour cette défense d'armée prêtresse l'Atlan. Donc on a la confrère des Nécrarques qui est bien vénère avec son armée d'élite là. Donc on va essayer de lui faire un maximum de pertes possible parce que je ne pense pas pouvoir la gagner avec mes cordes de skin. Donc, mais bon, on va essayer de se défendre du mieux qu'on peut. J'ai mes tireurs derrière.
espérant que ça aide un peu. Et j'ai gardé mon Stégaton sauvage en réserve, accompagné de mon général et de mes monteurs de Terranon qui ont quand même déjà joué, mais on va essayer de faire au mieux. Allez, on y va, donc on n'a rien à perdre. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire des passages avec mes unités pour les bombarder dans leur régiment. Donc là, on voit l'armée qui progresse, le général ennemi qui est au centre. On va laisser gâcher un peu leur magie, ça pourrait être drôle. Et je vois qu'ils me chassent. Alors, c'est quoi qu'ils m'envoient? Ah, ils m'envoient un roi en revenant, ok. Donc, j'envoie Stégadon contre lui, ça va être drôle. Il a un boost bonus de charge, ok. Ah, il les a fatigués, d'accord. Donc, pendant ce temps, là, je vais tirer sur les chauves-souris. Le roi revenant qui est en train de se faire un peu cartonner. Allez, c'est bien. Je pense que l'unité de gardien du temple combinée donc vous l'avez vu là pour le moment, c'est pas mal. On va tenter de le nettoyer. Alors là, on va avoir du lourd qui nous frappe. Et là, ça va commencer à devenir compliqué. Je ne comprends pas que certaines de mes unités ne tirent pas, mais ça, c'est un problème. Mon héros, je vais l'envoyer taper là. J'essaie de détruire les deux charrettes macabres, là même si ça paraît compliqué. Au moins détruire une. Ah, il serait génial, bah ouais, tu m'étonnes, il faut que je fasse. Autour, là, je vais envoyer mon général. Je vais mettre un malus à moins 40. Ouais, bon, bah là, les skinks, ils sont déjà en train de lâcher, ça me présage rien de bon. Donc ce que je vais tenter de faire avec ces unités, je vais bombarder. Voilà. Essayer d'affaiblir au maximum notre adversaire. Là, les trois autres unités. Alors, c'est qui a plus son truc? Ok. Pas de panique. Les trois. Si j'arrive à faire un max de dégâts, pourquoi pas. Allez. Voilà, on essaie de faire au mieux. Maintenant, on va essayer de tirer sur le général ennemi. Et je vais dire à mon héros de régénérer le Stégadon, qui est très utile. On essaie de leur faire mal, mais c'est compliqué, c'est dur, mon dieu. Même les skins qui sont en mêlée en même temps, là, je suis dépassé par le combat, donc je vais essayer. Il s'est pas de mal de tenir, mais bon. Apparemment, je gagne le combat contre les auras décrites, mais vraiment, c'est la seule bonne chose, on va dire. Je vais dire, mais une petite continue à tirer. Apparemment, le Stégalon, il fait le job, mais bon. Il perd beaucoup d'hommes d'un coup, là. Je sais pas si c'est dû à quoi. Peut-être que j'ai détruit une unité de zombies, je sais pas. Par là, ça tient, c'est pas mal. Les skins qui ont les zombies, c'est un combat plutôt équilibré. On essaie de leur faire des dégâts. Alors, je vais me retirer, enfin, à mes joueurs, mettre mon terre à tirer dessus. Donc, au général, j'ai un jeu qui s'en fout. Allez. Ah, il va y régénérer à fond, en même temps je peux rien faire. J'essaie de ramener mon souris pour tuer mes ennemis. Pour tuer le roi, mais bon, ça me permet compliqué. Voilà, j'ai perdu le terrain, je voulais rien pouvoir faire. Et ce lâche qui est en train de s'enfuir. Je pourrais essayer de tuer le général pour l'honneur, mais bon. Je doute que ça serve à quelque chose. Non, là il se fait découper, mais littéralement, je ne peux absolument rien faire pour une armée de ce calibre. En même temps, ils me mettent deux rois revenants, ouais, donc bon. Ça me paraît un peu difficile, même s'il a bien dégusté. Ouais, bon, bah là c'est foutu, j'ai rien pu faire. C'est pour une défaite, donc fallait s'y attendre. On a réussi juste à tuer, je crois. Ah non, l'unité de chasseur, elle est même pas morte. Bon, tant pis, on en a fait de notre mieux. Et on va voir ce qu'ils vont continuer à faire. Repose en paix, Scarl. Il réassiège, ok.
Donc là c'est facile, mais bon je peux absolument rien faire. Là, il va falloir que je trouve un moyen. Ouais bon là ils sont en train de piller en même temps les vieilles pôles colonies. Ça c'est prévisible, j'aurais peut-être pas dû faire la confédération. Ça c'est qui ça? Slatlan a une terre là-bas, d'accord. On a une épine dans le pied là avec ces morions dans nos arrières. Ok bah c'est imprévisible. Repose en paix, Scarl. Ah là là, c'est échoué pour les murs, ça c'est cool. Hôtel du raccord nu. Non mais tu rigoles, moi j'y vais pas, c'est trop loin pour moi. Hein. Est-ce qu'il y a moyen qu'on pilote la nouvelle armée là ou pas? Je pense qu'il va me dire que non. Quand même curieux, hein. Comment je vais faire? Je suis en train de regretter d'avoir fait la confédération, là, je vous avoue. Parce que là, l'armée de Rocklon, là. Je vais tenter de faire un truc. Il va me falloir un peu de temps, c'est ça le problème, je suppose. Alors attends. La ville, elle est bien forte. Elle est au centre, ok. Donc, ce que je vais faire. Alors notre pillage c'est combien? Pour prendre d'attrition. C'est 50%, ok. Donc on va se mettre ici. Et l'armée, bon ça je refais mon affaire. Je vais laisser m'assiéger là où ils veulent à peu près. On se vengera plus tard. Je vais essayer de prendre Quexotl, comme ça je redescendrai vers le sud, vers Zlatlan avec l'armée, si elle n'a pas eu trop de pertes. Pourquoi pas détruire la deuxième armée aussi, vu que là elle est en train de souffrir. Et le problème c'est, elle est partie cette armée ou pas? Alors c'est où que je dois aller? Alors c'est quoi, pleine de défense je crois, c'est ça? Ouais c'est ça. Donc du coup, je vais aller en toc. Tout de suite. Et je vais rien faire de construire à construire ici dans cette province. Par là, donc là on va faire les premières fortifications. Là c'est pareil. Bon, d'un côté ils sont en train de s'épuiser, là c'est plutôt une bonne chose pour moi. Bon là on continue d'accumuler, donc il nous faudrait combien de plaquettes? 5000, ouais. 5000 plaquettes. Je vais retourner à ma capitale, dans ma prince capitale, je vais pas traîner à faire le rituel. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette armée? Je vais mettre ça, 6 unités de tireur skink, un croxigore, je vais en mettre un deuxième. Et je vais rajouter. Je vais rajouter deux lanciers, tiens, ça sera pas mal. On fera une bonne force de base ici, on pourrait aider pour le premier rituel. Et je crois que je vais le lancer. Ah. Quoique. Bon allez on y va. Le rituel est en marche. On lance le premier rituel maintenant. Tant que le vortex est affaibli, les forces. Ok, je vois. Deux armées du chaos, elles sont complètes ou pas? Non. En plus, elles prennent déjà de l'attrition, donc on va laisser faire. Le temps est en notre faveur. Et alors toi seigneur de déplacer. Voilà. En même temps, vu où vous êtes les mecs, excusez-moi. Non, je vais pas tenter d'attaquer la cité, je suis pas fou. Vous allez vous replier à Karsabar. Vous formerez une petite avant-garde ici. Donc ici, on est au niveau 2 à Karsabar, c'est plutôt pas mal. On va faire une caserne ici. Et toi, tu vas rester en garnison là pour le moment. Tu vas me former un autre lancier, s'il te plaît, et deux guerriers supplémentaires. Bon, on va se venger, ça, c'est certain. On prépare comme il faut. Ah, il va à la guerre. Bah, bien sûr. Saloperie. Une fois que tu lances le rituel, ça y est. Ah oui. Ah, il est vénère. Ah, il est bien vénère avec sa force d'intervention, là.
je vais faire. Je veux juste voir ce qu'il a dans son armée. Je pose des trois dragons noirs. Ridiculous. Never. Alors, temple des crânes est mal barré. Il y a une chance sur deux qu'on gagne, si tout va bien. Ouais, il y a peut-être moyen. Hein. On va laisser m'assiéger en attendant. Non, lui. Impi. Attends, c'est quoi la mission? Cornu béni. Ah, mais il faudrait que Mazda Mundi accepte. Hein. Malevolent law. Oula, pourquoi c'est le monde à l'envers ici? Speak. 34 colonies, le con, d'accord. Ok, bon, bah, on est mal barré. On est très mal, alors. Pas un accord commercial. Bon bah ça c'est fait pour la mission. C'est du beau boulot patron comme tirer un certain jeu. Et là j'ai deux fronts à gérer maintenant, ça va être bien drôle. Alors, est-ce que d'un côté, je recruterai pas cette unité? Allez, on va la recruter. On se met en mode normal. Que je la explose son armée. Largement, je crois que la faire. Je récupère les prisonniers. Et on devra. Je peux aller assiéger Quetzalcoatl ou pas? Ouais, on y va. Allez, en route. Attaque éclair, on récupère la cité. L'armée de Roclone a réussi sa conquête. Alors on récupère cette cité. On occupe juste. Pour l'exemple. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va rendre ce Roclone. Il pourrait bientôt avoir un Carnouser au prochain niveau. Qu'est-ce qu'on veut lui mettre? Plus de PV. Je pense que c'est peut-être une bonne chose pour lui. Et son armée. Non. Donc là, j'ai pas intérêt à traîner. Je vais essayer de. Là, il faut que je vire ses armées. Et alors, Krogar. Krogar, il va se mettre là. Il va se mettre en camp. Et on va voir dans combien de temps il revient l'autre. Alors le prêtre, il revient le tour prochain, c'est pas mal. À côté de toi, on va faire ça. Voilà. Là, il va falloir mettre des garnisons dans chaque cité, ça c'est obligatoire. Donc là c'est pour ça que j'ai fortifié vite Nahuolt au niveau 3 et revenir après. Je m'attendais à plus de pertes avec cette armée, mais on s'en est plutôt bien tiré. Je pourrais recruter des Croxigos. Ouais, je pourrais recruter un, hein, mais bon. J'en ai déjà deux. Bon, allez, je vais en prendre un troisième et puis ça devrait suffire dans cette armée. Amélioration de colonies disponibles. Bon, ils sont aussi là. On a des bâtiments endommagés, je vous dis pas. Je vous avoue que là, je suis un peu pris de court avec ma liquide là. Et je suis même pas sûr que je ramène l'armée, ça suffise quoi. Je vais quand même tenter. Je vais la ramener le plus vite possible ici. Ah, il a déjà recolonisé le plateau perdu, lui, au calme. Donc, bon, on va camper, hein. Je vais perdre des fonds, mais tant pis, je vais prendre le risque. Au pire, si l'armée se périt. Là, il faut faire quelque chose contre Malekith. Parce que là, Nagda bien vénère apparemment, alors que c'est que notre premier rituel. Pour certains, j'aurais déjà la compère depuis longtemps, je suis d'accord là-dessus. Non.
ferai la paix avec lui, ce serait exclusivement... Bon, j'appelle ça un suicide, bonjour, au revoir, oust. Voilà, bon. Ok. Il a réussi, lui est mort. Défenseur confiant. Bon antif en plein tech pour Oclone. Et je crois que notre ami va... Ah non, c'est pas lui. Wolverdil, c'est à tout, félicitations. Ah si, tu l'as. Alors, repli... Alors, toi. Alors, on va se rendre directement à la plaine des défenses. C'est l'armée de Griswold. Tiens, elle a bien ajusté. On va la prendre, tranquillement. Sans accro. Attends, les trois Proxigors, ça a bon du punch, hein, cette armée. Oh. Ça, ça va être cool. Bon, il va falloir refaire de l'argent là, parce qu'on a rien de moins. On perd moins 600, mais bon, ça, c'est déjà nos armées. Les compétences qu'on a signées, donc c'est certainement le fameux Rocklone. Félicitations, tu te prends un Carnosaur. Et on va te mettre quoi derrière? 2 points. Ça, ça peut être pas mal. Domination de la jeune et inébranlable. Voilà. Ils vont moins la ramener comme ça. J'espère que mon armée sera suffisamment qualifiée avec le soutien de la garnison. Ah bah voilà. Je vais pas vous la faire celle-là parce que connaissant les elfes noirs et leur fourberie, donc je vais me débarrasser de cette force d'intervention. C'est juste mon objectif. On gagne. Allez, oust. J'ai pas de compte à 30 toi. Voilà, si t'en as pas eu de produit. Ok, donc on va rajouter ça. Plus de puissance contre tout le monde, ça peut être pas mal. Ah non. Ok, et le victor vient par servitude. Et on va te finir. Allez, voilà. Tu n'existes plus. Mais pas mal. Et en plus, tu regagnes un rang. Je suis plutôt content. Et je vais te bouffer. Je vais te booster ta compétence de gardien sacré. Ça va augmenter l'attaque en mêlée, la défense en mêlée de 8 pour nos Croxigors et nos gardiens du temple. Ouais, nickel. Eh bien, on a regagné du pognon là. Du coup, alors on regarde un peu le territoire. Notre territoire. Alors attendez, je regarde ce qu'on province. Yes, let us parler. J'ai pas d'armée dans le coin. Et ce que je vais faire, alors je vous explique ma stratégie. Je vais faire la paix pour temporiser avec la confrérie des Nécrars. Pourquoi? Je vais devoir reconstruire certaines régions. Donc pendant une dizaine de tours. Ça me laissera le temps de faire mon rituel, mon premier rituel de niveau 1. Et fortifier mes villes et tout le bazar, parce qu'on va avoir sûrement de la vie. Donc sachant que lui, il lui reste quoi alors? Il a 2 villes dans les montagnes, donc ça fait 9 villes. Et si on pouvait récupérer, donc 1, 2, 3. Si on récupérait toutes ces villes-là dans une deuxième partie de la guerre, ça pourrait être pas mal. Et on va en plus lui réclamer de l'argent. Parce qu'on lui a quand même mis une petite rouste, même s'il nous en a mis aussi dans cet épisode. Hein. Je préfère prendre une défaite et gagner. Voilà. Donc pour le moment, on reste toujours juste en guerre qu'avec Nagarond. Même si je doute qu'ils vont nous laisser tranquille. Hein. Alors, Nagarond. Ils sont où ceux-là? Tiens, on les connaît pas, tu peux pas me dire ça quand même. Donc les orques, ils ont quelques colonies, donc on va savoir où elles sont. Elles doivent être dans le coin nord. Malekith, your people will suffer for your clumsy attempts at diplomacy. Alors, aversion, événement récent, donc c'est sûrement ça, ouais, qui a eu dû mettre le feu aux poudres avec Malekith. On s'en fout, on l'emmerde, hein, je vous le dis. Et les armées vont se retirer et ça va nous permettre de reconstruire les sables mouvements qu'on a récemment pris. Alors, la plaine de défense, c'est bon. On va rajouter cet édit d'alignement d'artisanat. Au niveau ici, on va faire une fortification en plus. Là, pareil. Un peu plus d'argent ici. Et donc, cette armée-là, il faudra qu'on prenne notre revanche sur elle. Donc, retenez bien cela. Hooligans, profite de ta victoire. Ouais, donc là, on va faire ça.
toi tu peux pas rentrer encore, j'ai l'impression. Et puis ce que je vais faire, je vais rajouter deux tirailleurs skin et deux unités de gardien du temple. J'y ai bien oublié. Je vais rapprocher de Kabasa parce qu'on va se prendre une petite révolte dans la figure. J'aimerais bien que ce soit du côté de la plaine des défenses d'Antok, mais pas de bagarre, c'est tout ce que je souhaite. Et je vais cesser l'épisode là, je pense après. Ok, on continue mon humain. Là, on a quoi? On a rien. Ah, ça génère des plaquettes, ça, d'accord. Ah, ça, c'est la... Attends, si la ville me génère des plaquettes, c'est une ville elfe, hein. Mais d'accord. Elle me génère pas de ville. Alors, je ne comprends pas. Après, bon, après, c'est peut-être la faction qui veut que. Je ne comprends pas pourquoi une colonie prospère elfe ne me génère pas de plaquettes. Ok, c'est la mer. Alors qu'un camp d'elfes avec un climat désagréable, je regarde le même climat désagréable, ne génère aucune plaquette. C'est comme ça, je ne vais pas vous poser de questions. Donc toi, tu vas revenir là. Et Fissa. Ok, on se prend encore de l'attrition. On se vite en vitesse grand V dans la cité et repose-toi. Et hop, ordre disponible encore. Ah, je l'ai pas mis ici. Voilà. Là, on va rebâtir notre territoire. Je me demande combien on a de provinces. Alors, résumé de faction, c'est où déjà? Objectif, non. Bon, ça, c'est diplomatie, je viens de me planter. Toile géomantique, c'est... Ah oui, ça, c'est déjà c'est pour l'économie, je m'en souviens. On est en train d'essayer de la monter. Après, on a de la corruption empirique qui approche. Bon. Alors, technologie. Ah bon, je vais faire déterminer le grand dessin pour avoir plus d'ordre public. On fera aussi la volonté des anciens après, comme ça on aura toute cette section déverrouillée. Et ce sera pas mal. Là, on sera bien niveau technologie. Allez, on passe le tour. Attends, c'est où? Ah, c'est là. Nous possédons 25 colonies, nous contrôlons 9 provinces. C'est plutôt cool. Donc, dernier tour avant la fin de l'épisode. Et lui, là, il va continuer à se prendre de l'attrition. Et là, je vais recruter des guerriers aussi, j'en ai en besoin. 4 guerriers sur route de base, 2 lanciers. Pour débuter ici. Il veut une alliance défensive. Ok, je veux bien. Soyez en guerre. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette ou si ça vous gêne ou pas. Bon, pour le moment on s'entend bien avec eux, autant en profiter. Donc je me rebaptise mon territoire. Hein. Là c'est la priorité absolue. Lui aussi veut une alliance défensive, mais bon, avec de l'argent que je lui offre, il peut rêver. Hein. On a quand même bien remonté en rang de force, je suis plutôt content. Alors, c'est qui ceux-là? Ça doit être ceux-là au nord, mais non. Non, 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 non. Non, 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 c'est bon. Là, je temporise. L'autre qui doit me piller quand même. Hein. Ah, marchand. Donc, je dois avoir 10 ressources différentes, donc c'est plutôt cool comme success team. Ok, donc un ingénieur, c'est où ça? Ah, c'est lui. Donc, je vais voir s'il a un truc qui peut être drôle. On va lui mettre les bannières, tiens, ça va être drôle. Et taux de reconstitution des victimes. Bannière épouvantail, voilà. Ça sent plutôt cool. Oh, Yvotech, ok, je peux faire pas mal de choses. Donc, barrière. Je vais faire ça. Donc là, l'ordre public est plutôt pas mal. Et je vais améliorer quand même ce bâtiment. Les sables mouvants. Alors, c'est quelle ville qui est en première ligne? Ah, la coste, il est revenu. Ah, mince. Et où l'armée de Krogar? Attends, je me suis pas pris une révolte il y a 2 secondes. Ah non. Bon. Alors, la coste. Tu te dépêches de rejoindre Krogar
tu rejoindras l'armée pour le prochain épisode. Et quand même, les trois crocs Sigor et le Stegado ensemble, ça fait le nettoyage. Là, les deux armées, elles prennent de l'attrition. Si ça, c'est pas de bol. J'ai rajouté deux Saurus là et ce sera nickel. Je fais juste mes mouvements avant de finir la vidéo. Alors, lui, il est où? Kontarok. Qui va aller me chercher ce vestige. Je crois que lui, il va récupérer tous les vestiges qu'il peut. Alors, on va accélérer. Voilà, cube des ténèbres. Parfait. Donc, on va faire la ville au niveau 5. Et ce sera bon. Donc voilà, je vais sauvegarder. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc le premier rituel est entamé. Bon, bah, effectivement, les deux forces de départ des chaos ne valent rien. Maintenant, on va devoir se méfier de nouvel ennemi qui est Malekith, hein, parce que c'est pas un rigolo. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous le dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein du Planet Total War. Et je vous retrouve très vite pour une aventure, les amis. Au revoir.